Alors, petite vidéo, ben, il n'y a pas eu de course, mais on est à la bord de l'hiver. Alors, je me suis dit qu'un petit tuto santé pour que tu aies la forme, la patate! Voilà, si toi aussi tu perds ton temps sur Instagram, un petit peu comme tout un chacun dans ce monde qui est devenu absolument atroce, et ben, tu as noté des hashtags qui pullulent, qui puent même tout court avec le healthy life, le healthy food, le healthy je sais pas quoi, voilà. Alors, on va essayer de vous vendre tout un tas de merde, de saloperies, plus ou moins. Voilà, j'ai trouvé le gras. Alors on vous refourgue tantôt de la spiruline, tantôt des graines de chia, voilà, tout ça, des super aliments qui coûtent bien entendu la peau du cul, qui bien sûr sont importés de je ne sais où, voilà, avec toutes leurs recettes d'avocats à la con, qu'on fait venir du Pérou dans des avions, des cargos, puis après on est écolo et tout, mais on s'en balèque, tu vois, le truc qui vient de l'autre bout du monde, aucun problème. Alors que est-ce qu'on va vous parler des vertus du chou, tu vois, tout simplement, hein, cette espèce d'objet qui est à peu près gros comme ça, hein, tu vas le payer 2,50€, le bordel, tu vas mettre 4 jours à le bouffer et encore, faut être motivé. Mais ça, non, ça, c'est pas healthy, ça, c'est pourri, c'est pas vendeur, tu vois, le chou, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur, c'est cultivé en France, c'est fait par nos paysans, on peut l'acheter sur nos marchés, on peut même, si on en a plusieurs, on peut négocier le prix, enfin bref, c'est que de la merde, c'est que de la merde. Alors que se pimper le visage avec une crème d'avocat à la con, ça, par contre, il y a du monde, hein. Se mettre de l'aloe vera dans l'arrêt du cul pour que ça brille, là, oui, là, c'est cool, là, c'est cool. Mais alors, le chou, la betterave, enfin bref, les carottes, tout ce qui vient de chez nous, alors ça, c'est pourri, ça, c'est pas très bien, hein. Ça, c'est pas très bien. Alors, petit tuto santé pour ne pas être malade. Tu vois, c'est le conseil de l'hiver. On va prendre, et tu le vois, en plus, je suis revenu d'Afrique. Je me suis tapé maintenant la neige. 30 degrés, moins 10, voilà, petite amplitude thermique. Et pour ça, pour lutter contre tout l'hiver, je m'en mets ras la gueule. Je vous présente le produit ultime, ultime. Alors, attention, attention, attention. Le miel. Voilà. C'est simple. C'est quand même pas compliqué. On doit en faire dans à peu près tous les patelins en France. Alors je suis même allé jusqu'à goûter du miel de Bretagne qui était délicieux. Et là, évidemment, c'est, je vous ai pris la qualité. Je vous ai pris le miel de Savoie. C'est pas compliqué. Le truc, regarde, c'est marqué Mouxi. Mouxi, miel de Savoie. Mouxi, là, c'est écrit là, sur l'étiquette, là. Mouxi, en fait, Mouxi, qu'est-ce que c'est, Mouxi? C'est une commune, si tu veux, c'est la commune qui est à côté de Mairie. Mairie, c'est là où j'ai fait mon record du monde de 24 heures, en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu veux, ces abeilles, en fait, en septembre, elles me mataient pendant 24 heures, faire 36 allers-retours dans le mal passant. Donc, si tu veux, ces abeilles, en fait, quand je leur demande de faire du miel, bah, il n'y a pas de souci. Oh, il m'emmerde, celui-là! Il n'y a pas de souci, tu vois, le miel, il est nickel, il est impeccable. Limite, je les ai caressées, tu vois, elles étaient venues sur ma peau, comme ça. Bon, j'en ai quand même dégommé une, parce que ça va bien, mais voilà, il est beau. Il est beau, alors il est un peu clair, il est pas full châtaignier, mais il est pas mal. Et ça, tu vois, tu vas le mettre sur ta cuillère, là, comme ça, ta cuillère de miel, là. Hop, tu mets une bonne dose, hein. Oui, c'est du sucre, oui, c'est bon. Hein, on fait tous du sport, ça va maintenant avec ton sucre. Puis tu les prends au repas, ne sois pas con. Tu mets ton miel dans la cuillère, comme ça, et là, tu mets le truc ultime. Alors ça, par contre, je sais pas d'où ça vient, je sais pas par qui c'est fait, je m'en branle, c'est efficace. Ravintsara, voilà, huile essentielle de Ravintsara. Alors évidemment, là, j'ai pris un pot plutôt conséquence, comme pour le miel. Est-ce que tu penses vraiment que je vais m'amuser à prendre un putain de pot de 500 grammes, hein? Non, on est sur un pot de 1 kilo, en fait. Pourquoi je prends un pot de 1 kilo? Parce qu'ils en font pas des plus gros. Tu vois, quand t'arrives au marché, comme ça, tu fais « Bonjour, je veux du miel, ils font vous les 500 grammes ou 1 kilo ?» Bah, j'en voulais 5, mais allez-y, mettez 1 kilo, hein, tant pis, on est chez les Tantouses. Voilà, le Ravintsara, c'est pareil. Est-ce que je vais m'emmerder à prendre un petit flacon comme ça? Hein? Non, voilà, le Ravintsara, regarde, il est obèse à côté, il est énorme, il l'écrase. Voilà, dégage. Le Ravintsara, donc c'est une huile essentielle, vous pouvez l'acheter à peu près n'importe où dans toutes les bonnes crèmeries ou plutôt aux pharmacies du coup. Soit pareil, gentiment, tu en mets 2 gouttes sur ta cuillère de miel, tu t'en mets 2 le matin, 2 le soir. Et pourquoi pas 3 gouttes, tu vois, autant y aller, quoi. Moi, je suis plutôt petit, 59 kilos. Maintenant, si toi, tu es un peu plus grand, un peu plus gros, un peu plus, tu vois, tu prends un peu plus de place, là, dans l'écran, là, comme ça, là, et ben, n'hésite pas à charger Ravintsara plus miel. Et avec ça, si t'arrives à tomber malade l'hiver, c'est que vraiment, tu l'auras fait exprès. Voilà, écoute, je te laisse ici. C'était mon conseil santé, mon conseil bien-être pour que tu puisses gambader dans la forêt tout l'hiver pour que tu puisses prendre des coms le 31 décembre et par perversion tu y retournes le 1er janvier. Bref, c'est la beauté du sport en hiver.
uniquement entre puristes, bien sûr, les amateurs de la caresse attendront qu'il fasse un petit peu plus chaud. Voilà, nous les laisserons dans leur consternante hibernation. Sur ce, c'est reparti. À bientôt.